dominé par une question de mandat d'amener. Le ou tant des nouvelles ça, qui j'en ou même ou réagit et qui sont dit et tout. Bon, la première chose, moi j'ai pensé à une blague. Après ça, moi je me rends compte que c'est une mauvaise blague. Et puis, moi, comme on connaît que c'est dans le pays d'Haïti, moi, moi, aller aux nouvelles, et puis la fouiller, moi, je vois que c'est une opération, son vaste machination qu'il a fait contre l'INE Balthazar, contre le PHTK, son machination politique. Parce que. Mais oui, mais qui est-ce qui a fait machination politique ça? Est-ce que. Avant de nous rentrer dans qui est-ce qui a fait machination politique ça, on a établi les faits. Ouais, c'est la première chose. Je pense que la Scoop, c'est un radio de plein d'écoute et qui vient. Je pense que faut que nous rendions service aux auditeurs pour m'expliquer vas-y, on t'écoute. Donc, la première chose, c'est que et moi, c'est que même au niveau des Scoop et certains directeurs de médias, ils sont au courant d'une série de dossiers officiels qui ont circulé sur ce rapport et sur enquête qui a déroulé. Il y a le 2 janvier, le commissaire de AI du gouvernement de Port-au-Prince demandait le juge de paix de Pétionville à transporter sur les lieux pour le faire un procès verbal de constat. Dans ce 12 janvier, le procès verbal qui a été dressé et par le juge de paix de Pétionville, et le procès verbal, ça a pensé que son. Et tout le monde qui a fait histoire, qui est intéressé à enquête, là, il y a accès à lui et son bagage de domaine public. Dans ce procès verbal, le nommé Joseph Vincent fait mention de nom 4 mondes qui étaient en contact avec, dont un certain, il citait un Balthazar, et le prénom de ce Balthazar, c'est Jean-Robert Balthazar, dit Bob Balthazar. Or, il se trouve que le commissaire du gouvernement qui a dressé sous base... Bon, Balthazar, c'est apparemment un ancien diplomate ou quelqu'un qui est... Il transformé Jean-Robert Balthazar en Linné Balthazar. Donc ça, c'est un premier fait sur lequel pour nous, une volonté délibérée de nuire à Linné Balthazar parce que vous mettez non l'embagage que le pays. Donc voilà, c'est le premier fait et c'est ce fait qui pas contestable, qui documenté. Donc c'est le commissaire du gouvernement il a dressé un mandat d'amener contre l'INE Balthazar alors que non l'INE Balthazar n'a pas figuré aucunement dans aucun procès verbal ni de constat ni de procès verbal de déclaration des gens qui sont impliqués dans ce projet. Un petit moment, Liné, dans les 19 pages qui constituent le procès, parce que c'est 19 pages, hier, parce que puisqu'on dit Mounga Axavel, je n'ai pas vu ton nom, Liné. Bah ouais, non. Et ça fait de besoin comprendre pour qui ça ou là. Oui, donc première chose, et M. Pierre-Paul Charles, c'est en établit les faits. Donc sur les faits, sous documents qui. Même judiciaire, document qui a servi de base aux décisions du gouvernement, du commissaire du gouvernement, le nom de l'INE Balthazar ne figure pas. Bon, l'autre procès verbal, il a parlé de Balthazar, qui vit au Canada, ce n'est pas l'INE Balthazar. Donc, dans le procès verbal dressé par le juge de paix de Pétionville, et c'est sous base. Procès verbal, ça, que le même jour, le 2 janvier, le commissaire du gouvernement a dressé à 4 mandats d'amener. Il y a 3 noms qui sont corrects, mais le 4e nom, Jean-Robert Balthazar, il a modifié la ligne Balthazar. Donc, à partir de ça, nous pensons que, un, c'est pas un. Si son erreur volontaire,
parce que bah pour qui ça pour commissaire du gouvernement t'as diligenté une enquête yo ba le résultat enquête là yo ba les quatre personnes qui est impliqué là bas il choisi pour remplacer Jean-Robert Balthazar par Lydie Balthazar. Or Jean-Robert Balthazar c'est quelqu'un de notoire et très connu. Il est plus connu que Lydie Balthazar. Donc l'on choisit remplacer Jean-Robert Balthazar par Lydie Balthazar, ça veut dire qu'on oublie orienter enquête là long sens. Donc son décision politique qui est motivée par des objectifs politiques. Et à ce moment-là, je peux poser la question à M. Gary Pierre-Paul Charles, qui sont directeur d'opinion et analyste avéré. Qui moun qui a intérêt à faire passer le PHTK comme un potentiel criminel dans l'assassinat du président Jovenel Moïse? Et pour qui ça, vous voulez impliquer le PHTK dans l'assassinat de Jovenel Moïse? C'est à cette question qu'il faut répondre. Donc moi-même, à cette question, moi-même, je voulais répondre de façon politique parce que c'est des moun qui ont des motivations politiques. Qui est groupe politique dans le pouvoir autour de Jovenel Moïse et dans le pouvoir actuel, que discours Lydie Balthazar a kembe au nom du PHTK depuis près d'un an gêne. Parce que, un, depuis près d'un an, PHTK, par la bouche de Lydie Balthazar, dit président Jovenel Moïse de son vivant, président, nous ne pouvons pas rentrer dans le projet nouvelle constitution, ça, avec quoi j'ai la fête là. Président, nous pas qu'à rentrer dans un projet pour faire 3 élections en 6 mois, dont un référendum. Président, nous pas qu'à rentrer dans un processus électoral avec un CEP qui formé de l'argent formé et qui aussi décrié et qui contesté, nous pas gain intérêt politique à rentrer dans une élection avec un CEP de ce genre. Donc, ce discours que nous avons du vivant du président Jovenel Moïse, nous continuons à faire toujours, même après le 7 juillet, l'assassinat qui débouchait sur l'assassinat du président Jovenel Moïse. Mais or, il se trouve que il y a des gens, il y a des gens qui réclamaient, et c'est la première fois que nous-mêmes nous avons des discours, ça, qui disent que eux-mêmes, c'est des jovenelistes. Et le chef de file du courant jovenaliste, c'est l'actuel ministre des Affaires étrangères, M. Claude Joseph, qui a revendiqué ce courant politique de jovenaliste, qui dit que eux-mêmes sont prêts pour continuer le combat politique que le président Jovenel Moïse a mené, à commencer par continuer le projet de nouvelle constitution et de référendum. Maître Lydie Balthazar, en fait, après au fin établi les faits, maintenant, quelle serait votre décision puisque mandat d'amné a été debout dans le moment de parler là? Non, mais mandat d'amné a été debout. Heureusement, nous avons un système judiciaire. Nous avons un système judiciaire qui peut avoir des recours. Et système judiciaire, non. Quand il y a, quand on ne dit pas son erreur judiciaire, non, mais son erreur administrative volontaire. Parce que yo trompé de Balthazar. Jean-Robert Balthazar n'est pas Lydie Balthazar. Donc nous chargés cabinet d'avocats, nos avocats, pour y régler problème ça et ce qu'ils sont en train de faire. Et puis deuxièmement, nous constatons comme simples citoyens que déjà il y a assez d'erreurs de procédure qu'a fait dans le dossier ça. Au point que nous posons peut-être nos questions, si mon erreur procédure, ça, qu'a fait là, c'est pas des erreurs volontaires de manière pour cacher les vrais coupables. Et éventuellement pour faire des victimes passer pour des coupables. Oui, mais en fait, parce est-ce que. Mais bon, c'est une erreur grossière qu'a fait la procédure de non, ça, ça peut bien arriver que erreur grossière de procédure, ça, vous bénéficiez. De bénéficier aux vrais coupables. Parce qu'actuellement, la police nationale gagne en main monde qui exécute les crimes, non? Il gagne en main monde qui exécute les crimes, non? Mais à force de commettre des erreurs de procédure qui presque paraît volontaire, parce que répétition erreur vient paraître volontaire, on va demander aussi, en fin de compte, si ces gens-là
qui se réclament de la mouvance politique des journalistes, n'ont pas gagné un bail pour objectif de saboter l'enquête et puis pour couvrir les vrais coupables et pour faire passer les victimes pour les coupables. Maître Denis Baltazar, en fait... C'est ça qu'on a posé tête. Non? Oui, oui. Mais si vous permettez, en fait, là, vous visez un groupe monde qui fait les faits tête passer pour qui a défendu pour un jovenéliste, vous avez pensé que c'est Mounsao qui déesse sa cap fait là. Maintenant, est-ce que après, je dis en fait trois jours, est-ce que nous carrément l'erreur administrative, volontaire, le... Jodi en fait trois jours, non Liné Baltazar pendant rapport d'enquête là, et c'est Jean-Aubert Baltazar, et commissaire gouvernement par rectifier le tir sous trois jours. Est-ce que ça pas ta vle dit tout? Non te doué dans rapport, c'est non qui pas dans rapport, et donc il y a pas arrangé pour un autre rapport qui sorti. Non, nous pas qu'à faire comme ça, scoop. Et nous c'est la justice nous est nous parlons et pas titato n'a joué et pas domino n'a joué comme si non et son système judiciaire qui doit pédibiliser tête et en ce sens là nous pas croire que comportement autorité judiciaire la gens y a traité dossier assassinat président Jovenel là il fait honneur à la justice donc nous c'est pas faire de nom de doué là non pas là. Tout simplement, moi, constater que dès le départ, quelques heures après l'assassinat du président Jovenel Moïse, c'est un discours qui t'a quimbé, qui t'a vu que c'est les adversaires politiques du président Jovenel Moïse qui impliquaient l'incrimination. C'est une toute une série de discours qui t'a quimbé de ce genre-là. Et a dit ces familles politiques Jovenel Moïse qui a assassiné. Donc, bon, volonté de la part d'un secteur, le gouvernement et le pouvoir qui était de la courant politique autour de Jovenel Moïse, qui était cibler leurs adversaires politiques ou des mondes qui ont estimé qu'ils étaient adversaires politiques. Or, adversaires politiques n'ont pas forcément des gens de l'opposition. Adversaires politiques, c'est d'abord des gens qui opposaient à un projet politique que t'as fait président Jovenel Moïse porter dans le projet de nouvelle constitution. Moi, je dis, ce qu'on va voir, nous, sur les 34 dernières années, nous n'avons pas de connaissance d'un parti politique qui portait un président au pouvoir et qui lui-même opposait, lui, camper face à un projet politique que le président ça a porté. PACK est le seul et le rare parti politique sur les 30 dernières années qui élu Jovenel Moïse dans des conditions difficiles parce que moun kap revendiqué le Gounier comme ses amis, c'est des moun qui étaient en face en 2015. Là nous-mêmes nous te prendre pour nous faire le président. Donc, c'est la première fois que nous-mêmes comme PACK nous dit président, projet ça jawap menen. Nous pas qu'à supporter ou la donne. Parce que le projet nouvelle constitution n'est pas capable de faire pour un groupe politique seulement. Et nous, c'est insister pour ça, pour que nous disions, président, le projet de nouvelle constitution, j'en ai fait là, c'est un projet qui parle de plus de division dans le pays. Donc il faut que nous associions toutes les autres forces politiques à là-dedans. Et le 6 juillet, et c'est ça, me répéter plusieurs fois, le 6 juillet, quelques heures avant l'assassinat du président, on a passé 3 heures de travail à discuter justement de problèmes politiques de ce genre. Et nous te joignons un accord, et c'est là dans la vie minée, moins comprendre une position, là, moins d'accord que Kounia. Le texte final, je vais le demander et je vais le faire passer devant une commission de relecture. Et dans cette commission, je vais souhaiter gagner l'université qui se à la donne. C'est sa parole, président, qui dit. Et je vais charger le nouveau premier ministre Ariel Henry pour lui faire ça, pour lui prendre ça, pour lui faire texte à passer devant un comité de relecture de manière à ce que lui vienne son texte qui est consensuel. Donc, mais qui conversation politique que nous avons gagné avec le président la veille, et quelques heures avant son assassinat, en condition que nous connaissons. Donc, c'est moi-même, moi, détenteur de. Volonté politique présidentielle qu'elle t'a exprimée là avec moi, bon, c'est qu'on est.
le président de la République qui a été parlé à l'autre monde, lui dit nous l'autre bagage, mais aligné Balthazar le 6 juillet, pendant 3 heures de temps, c'est conversation politique ça que nous avons gagné. Nous avons gagné en façon un président de la République qui était déjà conscient que le projet de nouvelle constitution tel que l'autre monde a fait l'engager, et l'autre monde a venu sur eux, parce que nous sommes qui est sur eux, l'autre monde a poussé le fait adélanter sur lui, il était conscient qu'il fait face à des difficultés politiques et qu'il était une nécessité pour qu'il ait fait des ouvertures, parce qu'un projet de nouvelle constitution, pas qu'à un projet tout simplement de quelques groupes, et notamment de groupes monde qui ont ambition personnelle pour le président, le besoin de constitution qui peut favoriser l'élection et éventuellement sous nouvelle constitution. Le PHTK depuis près d'un an, bien cette posture-là, positionnement-là et ce discours-là, n'ont pas jamais considéré les partis politiques de l'opposition comme des adversaires ou bien des ennemis. Nous considérons comme des partenaires politiques. Nous avons responsabilité vis-à-vis de PIA. C'est nous-mêmes qui sommes opérateurs politiques. Nous estimons que PHTK fait pour discuter avec toutes les autres forces politiques en tant que partenaire, parce que nous avons une responsabilité politique pour nous gérer le pays. Nous sommes concurrents politiques au cours des élections. Mmh. Et après les élections, nous sommes concurrents encore, nous sommes partenaires politiques. Voilà la vision et la façon de procéder et de penser du PHTK depuis près d'un an. Et nous un petit peu, et malheureusement nous dit, c'est à quelques heures de l'assassinat du président que nous avons senti que le président était comprendre nous et qu'il était accepté, il était commencé à adhérer à l'idée que PHTK, le discours que PHTK a kembé depuis près d'un an sur la nécessité que nous jouions un consensus le plus large possible sur les problèmes réels de ce pays, à commencer par comment pour assurer une gouvernance stable dans ce pays et comment pour assurer une nation la sécurité pour tout le monde et lutter contre la pauvreté généralisée. Et c'est ensemble de préoccupations ça que PHTK a gagné, et c'est ça qu'on a partagé avec le président. Et nous sommes bien contents que, nous, en discussion de gagner avec le président le 6 juillet, nous avons rendu compte qu'il était adhéré, il était montré nous, il était bon nous les indications. Et le choix de Ariel Henry comme premier ministre, c'est participer de la volonté du président de faire une ouverture sur la classe politique. Et à ce sens-là, nous, comme PHTK, nous engageons résolument dans cette voie-là pour nous faire un accord politique large sur la manière d'assurer une gouvernance stable à ce pays et puis qui vous mène à nous vers les élections inclusives, apaisées et transparentes avec un CEP qui va inspirer confiance à tout le monde. Nous rappelons tout le monde que PHTK n'a pas inscrit les 119 partis politiques soi-disant qui inscrit en bagaille l'obéir pour le faire et le 26 septembre, nous même nous baladons. Mais c'est Balthazar. Voilà, pour qui ça, nous pensons qu'il y a des forces politiques qui ont même attaché à référendum, nouvelle constitution, et nous même nous parlons ça, et ils ont estimé que PHTK c'est l'ennemi à abattre, et en ce sens-là, nous prêts à continuer la bataille, nous, parce que c'est pas pour nous, n'a pas mené, c'est pour instaurer une stabilité dans le pays. Et que nous dit que les présidents Jovenel, les candidats Jovenel Moïse étaient choisis, tout le monde de la guerre, seul le PHTK, un petit groupe noir, le monde était pris en charge, qui menait de ce côté Léa comme président. Mais c'est vrai que le monde qui était en face Léa a commencé par. Et monde, je dis, nous, le principal monde qui a posé la nouvelle constitution, c'est M. Laurent Lamothe, c'était candidat en face Jovenel Moïse, était son autre parti politique. Mais c'est Balthazar qui a supporté le ministre Joseph Blanc, l'activité, les amis de Jovenel, les journalistes. Bouclier était mon candidat en face de Jovenel Moïse. Mais c'est Balthazar. Allô? Je vous écoute. Oui. Et où saute indexé en fait ministre Affaires étrangères à Claude Joseph qui dans le gouvernement comme monde qui t'a réclamé de jovenelisme, et c'est lui-même qui t'a des bagailles ça. Mais ça me demande je vous entends mal. Où t'es de moi là?
qu'a fait avancer le monde. Et parce que bon sort de écho qui a fait que son sorti bien sorti mal. Bien remettre ça bien votre. Est-ce que vous copiez là présentement? Vas-y, ça va. Ça va. D'accord. En fait, non, explication qu'on va bailler ou indexer en fait ministre des Affaires étrangères qui est arrivé. Indexer non, moi je dis voilà les gens qui eux-mêmes revendiquent un courant politique, les journalistes. Vous avez cité le nom. Courant politique, ça pour le moment, projet politique, c'est un, faire et faire un référendum le 26 septembre. Établir une nouvelle constitution et éventuellement faire élection puis coller avec un CEP que aucun monde dans la classe politique là pas reconnaître. Voilà. Donc c'est pas moi dit et m'assumer ça me dit parce que le ministre des Affaires étrangères Claude Joseph c'est lui-même qui le premier dit yo les journalistes pour continuer le combat qui t'a mené le combat politique qui t'a fait engagé par le président Jovenel et combat politique, ça, il résume pour eux actuellement à faire le référendum sur la nouvelle constitution et organiser des élections piquet-collées avec le CEP le 26 septembre. Est-ce qu'on entend des Mounia et M. Baldassar? Et en fait, président Maurice, 7 juillet, dans le matin, avant de mourir, il était déjà choisi en fait le PM Ariel Henry. Bon, pour certainement assurer les gouvernances pays dans tête gouvernement. Maintenant, pour former ce gouvernement après, c'est l'information que nous disposons ici. Donc, et puis HTK, c'est un parti qui participait dans le choix et ensemble de ministres qu'il a eu. Donc, ça veut dire, et pays a en quelque sorte accepté, le gouvernement qu'il a, c'est un gouvernement qui, traduit la continuité de PHTK au pouvoir. Donc ça veut dire, tout le monde connaît, c'est nous-mêmes qui te mettons Jovenel au pouvoir. Est-ce que, pour qui ça? Non, pour qui ça fixation ça? Pour qui ça indexation ça? Et c'est exactement le ministre des Affaires étrangères qui fait chier. On n'est pas fait comme ça si nous voulons que le public la comprenne dans l'affaire. Non, au contraire, on fait des déclarations, on assume, on dit gouvernement classe en continuité de gouvernement PHTK. Donc, c'est faux ça. Vous comprenez? Donc, il va carrément réagir sur des opinions personnelles qu'on a pu mettre. Non, mais président Jovenel, Monsieur Baldassar, juste un petit mot. Je me détendais très bien que nous prenions scoop à travers son directeur général, M. Pierre-Paul Charles, qui a fait une analyse de qui te dit que Ariel Henry a été choisi pour le PHTK. C'est faux. Mais c'est Baldassar. Écoutez. Non. Mais c'est Baldassar. Si vous permettez-moi, pas de problème. Si vous permettez-moi, juste un petit mot. Et président Jovenel, il était élu sous bannière PHTK. Je suppose que, si vous permettez-moi, M. Baldassar, il t'a appliqué. Donc, vision PHTK à travers acte il t'a posé. Donc maintenant, avant de mourir, il choisit un premier ministre. C'est lui-même qui choisit. Donc, c'est tellement vrai, en pile moun dans la société a dit, faut respecter volonté président avant de mourir. Parce que président élu sous bannière PHTK, il font choix en premier ministre, accepter pour faire ou de la velle. Donc, m'ba quoi nous pêcher, non? Non, nous disons que c'est la personnalité qu'elle choisit, hein, parce que le choix du docteur Ariel Henry est motivé tout simplement parce que le président Jovenel Moïse s'est commencé à comprendre que le PAC a nommé un proche, il examine quelqu'un de son entourage comme premier ministre. Et que le choix de Ariel Henry s'est obéi tous à nécessité ça, à la nécessité pour joindre une personnalité qui a capacité pour lui rentrer dans divers milieux politiques, ce que Dr. Ariel Henry correspond à profil exactement de quelqu'un qui n'est pas effrayé et les acteurs politiques,
qui a capacité pour le dialoguer, pour le rentrer dans le milieu politique. Et c'est ça qu'on a demandé au Premier ministre. Le président Jovenel Moïse avait compris, mais le président Jovenel Moïse n'a pas choisi et Dr. Ariel Henry parce que PHTK a demandé, ça n'a rien à voir. Au contraire. Il est supporté par le PHTK. Au contraire. Le choix de Ariel Henry, le secteur qui est premier proposé, Ariel Henry, c'est celui qui est sorti dans l'opposition, secteur de l'opposition avec lequel le président Jovenel était en discussion. Donc, moi, je dis ça pour tout le monde. Pour ne pas accréditer l'idée que c'est pour la PHTK, ça n'a rien à voir avec le PHTK. Nous disons ceci, que la personnalité du docteur Ariel Henry, c'est pour une personnalité qui est conflictuelle, que PHTK comme pour parti, comme groupe politique, comme pas de problème, pas sent-il ni en insécurité avec une personnalité comme le docteur Ariel Henry. Mais c'est pas valable pour. Au secteur politique de l'opposition comme la fusion et unité, vérité avec lesquels que Dr. Ariel Henry t'es gain interaction avant nous. Donc nous avons avantage aujourd'hui que gagner une personnalité qui occupe le poste de premier ministre qui est choisi par le président Jovenel. Donc ça veut dire que et les amis de Jovenel et donc, le PHTK, c'est un problème avec ça. Mm-hmm. Et d'autant plus que cette personnalité a une capacité pour y interagir avec différents milieux politiques. Mais c'est l'idéal pour nous. Donc, en ce sens-là, nous pensons que le président Jovenel Moïse a eu la main heureuse en choisissant au monde dans le docteur Ariel Henry. Donc, il reste que maintenant, au docteur Ariel Henry a montré que il a une capacité pour gérer la situation politique là en mettant tout le monde autour d'une table pour un rapport politique le plus rapidement possible pour nous former un gouvernement de consensus et ce gouvernement de consensus qui va mener nous vers un CEP de consensus qui peut mener nous vers les élections et établir sécurité dans le pays. C'est ça nous demander le gouvernement qui est dirigé par le docteur Ariel Henry. Et moi, je crois que dans ce sens-là, moi, j'attendais religieusement le porte-parole du secteur démocratique, la personne de maître André Michel. 99,9% de ça, maître André Michel, dit, on d'accord avec eux. Parce que le PHTK est pas considéré que lui en opposition, lui en chose avec les acteurs politiques. Nous sommes des partenaires et nous devons, et PHTK, le SDP, la DIPOD, les autres forces modérées, la société civile, c'est nous qui l'emmène au PIAE et c'est nous qui pouvons joindre une solution politique à situation d'exception créée par l'assassinat du président Jovenel Moïse. Parce que pas y a aucune provision constitutionnelle qui vous permet de nous châtier dans sa nourrière. Donc, son décision politique, c'est un consensus politique. Et consensus politique, là, compte tenu du fait que Dr. Ariel Henry, par un élu, consensus politique, ça a fait pour le plus large possible. Si c'était président Jovenel Moïse qui a cherché consensus politique, compte tenu du fait que président Jovenel Moïse, c'est un monde qui était élu, nous étions capables de considérer un petit consensus minimal. Mais dans le cas du docteur Ariel Henry, le consensus doit être le plus large possible. Et bien content d'entendre, à entendre les gens du secteur démocratique à travers la déclaration de maître André Michel, à entendre les gens de la DIPOD, à entendre les gens, tout le monde que nous avec lesquels que nous en discussion depuis très 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 longtemps, le PHTK, nous voyons que les conditions pour nous venir à corps politique sont plus réelles que même du vivant du président Jovenel Moïse. Il faut nous profiter de moment ça pour nous joindre à corps politique le plus large possible, pour nous stabilité politique dans le pays. Et amener le pays sur la voie des élections à travers un CEP qui inspire confiance à tout le monde. Parce que CEP qu'il a,
et il pas inspiré confiance à aucun monde, sauf peut-être à monde, les amis de Jovenel ou bien les jovenelistes ou bien les gens qui souhaitaient faire une constitution tête chape pour permettre que yo reproduise au pouvoir. Nous même nous parlons dans Baïta et le PRCK considérer tous les chefs de parti et les courants politiques comme des partenaires politiques, c'est ensemble pour nous joindre un consensus pour nous stabiliser PIA sur le plan politique et puis pour nous mener PIA sur les élections. Voilà la position du PACK, et cette position dérange les petits courants politiques qui besoin à le faire et nouvelle constitution pour mettre comme président et dans des conditions et irrégulières. Nous-mêmes, nous parlons bagaille comme ça du tout. Mm-hmm. Donc, si nous comprenons bien, Jovenel Moïse était élu sous bannière PHTK, mais ça, c'est une rupture, divorce entre Jovenel Moïse avec PHTK, parce que nous traitons une catégorie de monde là de jovenelistes. Donc, ça veut dire que semblait nous-mêmes dans PHTK, nous pas. Nous, mais c'est eux qui singularisent cette théorie, c'est eux qui par la bouche de l'actuel chef du ministre de la Paix étrangère, Claude Joseph. Mm-hmm. Moi, la première fois que je t'entends des mots, je venais de ça, c'est la bouche, M. Claude Joseph, que je t'entends, qui à ce moment-là a le rôle de premier ministre intérimaire. Mm-hmm. Et c'est comme premier ministre intérimaire, il était employé comme jovenaliste. Mm-hmm. Donc, là, c'est le ministre des Affaires étrangères, donc une tête pour considérer comme une tête de file du courant jovenaliste. Mm-hmm. Et dans ce sens-là, moi-même, comme moi, ouais, nous toujours en opposition comme PHTK à projet politique qui est de faire une nouvelle constitution avec un CEP et font référendum peut-être chaque 26 novembre, nous dit que c'est deux projets politiques différents. Donc, le courant jovenaliste qui, dont le porte-parole est actuellement, en attendant mieux, c'est le ministre Claude Joseph. Et puis, la nouvelle constitution, dont le principal porte-parole, c'est l'ancien premier ministre Laurent Lamothe, que nous-mêmes qui pas caché ambition politique qu'il gagne pour être président, ou bien pour faire un président. Donc nous pensons que le discours que PHTK a obtenu depuis près d'un an, du vivant du président, et pas en absence du président, c'est ce discours qui gêne, et c'est peut-être ça qu'ils ont besoin d'associer nous, ils ont besoin de ça l'image nous, pour prétendre que c'est nous-mêmes qui en projet d'assassinat et Jovenel Moïse, en utilisant des artifices, à commencer par changer les prénoms des Balthazar qui impliquaient dans le bagage sale. Mm-hmm. Parce qu'encore une fois, Jean-Robert Balthazar n'a rien à voir avec l'idée Balthazar. Ok. Et Monsieur Balthazar, Claude Joseph Jodia, c'est juste un ministre des Affaires étrangères. Dans quel sens où ce monsieur a un pouvoir pour monsieur t'a impliqué dans peut-être essayer de garder une culpation pour arriver dans un niveau comme si pour mettre un mandat d'amener dehors ou bien pour inviter pour aller dans le DCPJ ou bien dans le parquet pour aller parler, si ce n'est pas un problème personnel qu'on gagne avec Claude Joseph? Non, mais ce qu'on veut faire, que ce soit le problème personnel, que ce soit le problème de janvier, moi-même, j'ai constaté que le nom de Linné Balthazar n'a pas figuré. Il n'y a aucun procès verbal, il n'y a aucune déclaration que la police a interrogé. Et puis, par une simple magie, et puis il a transformé Jean-Robert Balthazar en Linné Balthazar. Moi-même, j'ai constaté que ça n'a pas qu'un erreur matériel. Mais pour qu'ils soient prêts à imaginer, c'est quoi les choses? Une faute administrative, une erreur administrative, et qui ont une incidence politique, parce que le résultat, c'est quoi? C'est que depuis 48 heures, tout le monde entier connaît que le PHTK, le président, le parti sous lequel Bannière est président élu, c'est lui qui impliquait l'assassinat du président. Or, son discours qu'a véhiculé depuis 15 jours, depuis 24 à 48 heures après la résidence du président, discours ça, c'est qu'il a distillé dans le pays.
Donc nous voyons que c'est un projet politique contre le PHTK et qu'a fait parce que le PHTK a un discours qui dérangeait et qui dérangeait qui monde. Il dérangeait ceux qui veulent faire mes bases sur le pouvoir à travers un projet de nouvelle constitution. Pour moi, c'est aussi simple que ça. Pour qu'ils aient Claude pour indexé. Ils ont impliqué. Pour le moment, ils ont impliqué. Pour qu'ils aient pas tout le gouvernement, pour qu'ils aient Claude Joseph. Je ne dis pas Claude Joseph, non, identifier les deux personnalités publiques. Parce que Claude Joseph dit de se lire pour revendiquer le courage jovenaliste. Deux, moi dit que PHTK est en face d'un projet de nouvelle constitution dont le principal fer de lance est l'ancien premier ministre et Laurent Lamothe. Donc ça c'est moi qui assume. C'est moi qui assume. Je vais citer l'autre nom. Et bon, par aucun monde qui a fait me comprendre que je connais que c'est monsieur Laurent Lamothe comme ancien premier ministre qui derrière le projet de nouvelle constitution ça. Et que et ce projet est associé à parce que tout simplement il veut être président de la République. Donc, c'est son droit d'être président de la République. Sauf que nous-mêmes nous demandons que si on a rentré la arène politique pour une faire politique, il faut respecter les règles du jeu politique. C'est domino d'avouer, c'est basique d'avouer, l'endomino, pas gagner mettre 1000 endomino. Donc quand vous voulez faire un bon projet politique, je n'ai pas de problème parce que M. Lamothe est candidat à la présidence ou bien il veut participer à ce que c'est lui qui mettait le prochain président de la République. Mais on a fait ça dans les règles, en respectant les règles du jeu politique. C'est déjà une bataille qui lance là entre Laurent Lamothe avec PHTK. Et à ce moment-là, moi je dis que tout simplement, le discours et la posture du PHTK, seul groupe monde que les gênait actuellement, ce sont ceux qui ont un projet politique qui pas correspond à ça à positionnement pour PHTK depuis près d'un an, du vivant du président Jovenel Moïse. Et si nous avons une capacité pour nous camper en face, président Jovenel Moïse, pour nous dire président Jovenel Moïse, vous allez dans la bonne direction parce que c'est le rôle des partis politiques. Nous avons courage pour nous dire président Jovenel Moïse que vous allez dans la mauvaise direction. Il a reconnu ça quelques heures avant son assassinat, malheureusement, et c'est pas en face de monde qui a exécuté un projet dont ils ne sont pas les concepteurs pour n'a pas campé. Oui, monsieur Balthazar, étant donné que vous invitez ou estimez que c'est pas vous même que vous avez invité, puisque c'est l'autre nom, c'est Jean-Robert Balthazar, pour qu'il ne soit pas présenté devant des CPJ ou à la DCPJ où ils vont rectifier ça. Mais qui vous dit que ce n'est pas ça n'a fait. Donc, tout simplement, le système judiciaire a bon genre fonctionné. Donc, le monde qui a la fabrique, il doit se présenter avec son avocat. Donc, nous, le cabinet d'avocat, nous avons publié. Nous n'avons jamais dit qu'il ne pas présenter nous devant la justice. Non, nous n'avons jamais dit ça. Donc, tout simplement, nous déjà identifié que, un, il y a erreur sur l'identité de la personne, et cette erreur, nous pas compte s'il volontaire ou bien s'il est volontaire, nous signaler à l'attention du public que le procès verbal que le commissaire a utilisé pour émettre 4 mandats, les mandats qu'il a eu, donc, il trompait le nom, et nous pensons que il trompait le nom de façon volontaire. Et comme en politique, comme il y a une conséquence politique, moi-même, je prends sur le plan politique. Mais sur le plan juridique, nous mettons avocat nous, à gérer la question ça et nous allons régler ça sur le plan juridique. Donc, moi, c'est juridique, moi, c'est politique, moi, je m'a réglé à ce politique-là. Parce qu'on ne peut pas confondre Jean-Robert Balthazar avec Iné Balthazar. Mais, monsieur Balthazar. Suivant l'information que vous avez là à l'auditoire et Scoop FM, donc ancien premier ministre Laurent Lamothe, le candidat à la présidence. Et pour le venir président, selon son dit, l'idée est un nouveau projet nouvelle constitution. Mais oui. Sans ça, pour qui ça se passe à Laurent Lamothe, peut-être, comme je dis, voulez venir président, qui t'a derrière et marchandage ou bien. Bah, on est machination politique qu'on va dénoncer là, en lieu et place de Claude Joseph qui est simple ministre des Affaires étrangères. Non. Et Scoop, mon père, moi dis que à partir du moment où nous constatons que, un,
le nom de Vinay Balthazar n'a pas figuré sous aucun procès verbal de qui contenu déclaration. Même que vous dites qu'il a assassiné le président, je ne vais jamais citer le nom de Vinay Balthazar. Mm-hmm. Et que bon commissaire du gouvernement qui décide de changer le nom Jean-Robert Balthazar en Vinay Balthazar nous dit que c'est un bagage politique. Et comme c'est comme son décision politique, son instrumentalisation politique qu'il a fait, moi-même, moi, comme président, me dit qui monde que le discours que tient Vinay Balthazar et le PSTK, qui groupe monde le gêne. Et nous considérons que, un, moi, ça se rappelle, nous encore, moi, je dis que, un, Vinay Balthazar n'a pas inscrit en 119 parti politique pour participer à la mascarade, soi-disant, qu'il a fait le 26 septembre, non? Deux, Vinay Balthazar n'a pas reconnaître CEP ça comme vous avez fait l'élection. Trois, Vinay Balthazar n'a pas l'imposé une nouvelle constitution ça, parce que Scoop FM m'a rappelé nous. Que projet nouvelle constitution ça, l'équité dictature François Duvalier derrière. Ah bon? Si on prend la peine de lire les articles, les pouvoirs que vous conférez au président de la République dans cette nouvelle constitution, nous quitter dictature François Duvalier derrière. Mais c'est Balthazar. Mais c'est peut-être ça nous-mêmes nous dit nous et nous compte ce projet de référendum. Bon, qui nous dit derrière référendum et nouvelle constitution, moi nous que un, c'est M. Laurent Lamothe, deux, c'est le groupe de Bouclier qui a supporté et Claude Joseph et à travers son projet de journaliste, et puis et d'autres personnes. Donc à ce moment-là, moi-même, je suis assumé, samedi. Mm-hmm. Donc c'est une bataille politique qui a mené. Et on transforme et la bataille politique là, malheureusement, n'a pas mené bataille politique là avec des gens qui mettent 1000 joueurs de domino. Mm-hmm. Aujourd'hui, ils ont assimilé de façon et ils prennent ces lignes de Balthazar comme responsable politique avec et d'autres responsables politiques de Paul Denis. Mais demain, si je veux, c'est capable de journalistes, tant que journalistes copieux, parce que n'a dit des bagages qui parlent. Correspondre à ça, monde politique, vous avez mis, vous avez mis n'importe accusation sous le nom. Et il est capable pour d'autres personnes politiques. Demain, si Dieu veut, c'est capable de sénateur Sylvain Benoît ou bien sénateur et Patrice Dumont. C'est capable n'importe qui. Voilà la forme de, d'État, une forme d'État, que le monde qui a un projet de nouvelle constitution, ça, mais cette forme d'État que vous avez mis, c'est où l'État, côté eux-mêmes qui décidaient. Il a fait le bonheur des Haïtiens, malgré les Haïtiens, contre le gré des Haïtiens. Depuis que nous avons commencé à arriver, depuis que nous avons arrivé là, nous avons décidé que c'est bon pour nous, ou c'est un poil propre pour pas tomber dans la Cambodge. Mm-hmm. Ou pas tomber dans la concentration. Mm-hmm. Donc, moi, je dis tout simplement à nos amis de la classe politique, nous devons faire attention parce que le signal ça qui voyait là. Jeudi, c'est l'idée Balthazar avec Paul Denis. Demain, c'est Verdure, la torture avec l'autre. Demain, c'est capable un journaliste aussi connu que ceux qui animent cette émission de Scoop parce que nous prenons des positions qui ne correspondent pas à la volonté de ceux qui veulent diriger ce pays de façon dictatoriale. Mais voilà à quoi nous écoutons. C'est dans le sens ça, le discours du PSTK dérange le monde. Mm-hmm. Mais c'est Balthazar, et un auditeur qui m'a posé une question ça pour lui. Il dit Mval, m'a dit en fait à M. Balthazar, est-ce que il est au courant que le ministre des Affaires étrangères, Claude Joseph, est candidat à la présidence dans la prochaine élection au même titre que l'ancien premier ministre de Salvador? Non, je ne suis pas au courant de ça et je n'ai pas besoin d'opinion ça. Tout simplement. Nous connaissons qu'au jour d'aujourd'hui, il y a des gens qui ont transformé, qui ont utilisé le cadavre ou bien l'assassinat du président Jovenel Moïse à des faits politiques personnels. Mm. Bon, même par contre, si M. Claude Joseph candidat à la présidence ou bien si le président est comme candidat à la présidence. Mm-hmm. Mais tout simplement, nous connaissons que là, je veux dire, le fait que vous mettez non Vinay Balthazar à la place de Jean-Robert Balthazar, sous une liste commune, pour mandat d'amener, et le mettez l'inné Balthazar, qui n'a rien à voir avec ça, sous
là, c'est une opération politique et nous dit que ce faisant, ces gens-là sont en train de boycotter l'enquête et il a fait en sorte que le président Jovenel Moïse n'a pas de justice. Il a fait en sorte aussi que le premier ministre et Ariel Henry portait la responsabilité d'un éventuel échec de l'enquête sur l'assassinat du Jovenel Moïse. Et troisièmement, il a créé une tension politique pour empêcher que nous venons un accord politique qui peut stabiliser le pays autour d'un gouvernement dirigé par le premier ministre Ariel Henry. Donc c'est tout un jeu politique ça que nous-mêmes nous voyons. Nous avons besoin qu'on existe ces bagailles candidats, nous allons faire personnel et personne. Mais tout simplement, nous appelons nous au fait qu'il y a péril en la demeure pour le pays et que les responsables politiques, les partenaires politiques, parce que je dis à moi, PSTK n'a pas un adversaire politique, il n'a pas un concurrent politique, il n'a pas un ennemi politique sur la scène. Il y a des partenaires politiques, nous avons des responsabilités pour nous joindre un accord politique pour nous stabiliser le pays et de manière à ce que nous mettions en place les structures et les conditions qu'il faut pour nous joindre des élus légitimes au terme des élections qui sont inclusives, qui sont transparentes et qui sont apaisées et dont les résultats sont acceptés par tout le monde. C'est l'objectif chacun qui est bien. Peu importe le monde qui parle le candidat, mais tout simplement nous avons appris que le monde a caché derrière l'autre. Et pour venir mettre mille en domino, nous voulons que au monde qui besoin mener une bataille politique pour venir président, paraître tête ou pas caché derrière nous. Monsieur Balthazar, en fait, c'est la dernière question. Et bon, nous ne pas reconnaître le gouvernement, ça, puisque le gouvernement t'a et mettez-vous dans un rapport enquête sur l'assassinat président. Pas du gouvernement, mais tout simplement qu'on est que un l'actuel gouvernement gagne et un bagage passager parce que il pas correspondre à ne pas répondre à consensus que nous besoin pour nous stabiliser le pays et que nous souhaitons que le premier ministre Ariel Henry engage et va accompagner dans ça pour un accord politique le plus large possible. Le plus large possible. Et dans cet accord politique, a gagné les amis de Jovenel ou de les journalistes. Mais cette fois-ci, les journalistes ne mettent en tête pour venir imposer sous l'autre courant politique. C'est un bagage.